Allez, beau parti. Yes. Dernière passée, tu nous fais un zapping de tout ce que tu as dit, des meilleurs morceaux. Oui, ben, tout d'abord, faut vraiment remercier toute l'équipe du Radjardi d'avoir œuvré à remettre ce concours en route qui avait été annulé avec le confinement, le Covid et cette année qui est assez satanique. Mais c'est vraiment un grand merci à eux parce qu'on est tous ravis de se retrouver à nouveau en cravate et à faire du sport, quoi. Donc c'est top. Après, moi je suis enchanté du déroulement de mes épreuves pour le moment. Les chevaux sont en forme, un peu tous, quoi, c'est top. Débuté Zanzibar sur le 4 étoiles court, il a bien couru, il m'a impressionné. Et Birman montre qu'elle voilà, elle arrive vraiment à mûrir, elle évolue à chaque sortie. Je m'en veux un petit peu d'avoir laissé échapper quelques points sur le dressage. Je m'en veux à moi parce que, avec tout ce qu'elle est capable de faire, tout ce qu'on sait faire, je suis resté un petit peu passif à composer alors qu'elle méritait d'être juste un petit peu plus entrepris, quoi. Mais ça, c'est entre moi et moi, quoi. Personne n'a rien vu. Hein. Non, mais c'est encourageant parce que pour moi, la vraie référence, c'est King et je vois que petit à petit, on s'en approche. Et fait toujours une petite barre qui t'arrange bien. Cette année, mais il ne faut pas compter là-dessus. C'est vrai que moi, je trouve que le meilleur moyen de remporter une épreuve, c'est de prendre les commandements et de la gérer. C'est jamais agréable d'avoir un état d'esprit où on essaye de se reposer sur les fautes des autres, quoi. Mais bon, ça c'est ma vision d'une victoire. Voilà, quoi. Non, la jument, elle était vraiment top sur le concours hippique là, hier. C'était un régal. Passionnant. Un régal à monter. C'est, voilà, la jument, elle est débordante de générosité, elle est à son aise sur cet atelier. Et puis tout à l'heure sur le cross, voilà, elle a montré qu'elle avait la cylindrée pour être vraiment compétitive maintenant. Parce qu'elle débutait l'an dernier sur cette épreuve-là, elle prenait une quinzaine de secondes, un peu plus verte. Là, voilà, là, entre Blenheim, Bokelo, le Grand National du mois de mars, la jument petit à petit a trouvé vraiment ses marques et elle est vraiment, voilà, fait le parcours, elle est restée dans sa zone de confort, quoi, elle est sûre. Du coup, on la voyait un peu jeune pour une échéance cette année, mais du coup, Vous, pour une échéance à venir. Vous, oui, vous la voyez jeune, mais moi, la connaissant, c'est une jument qui a le mental, qui s'y prête. Elle est dure, elle est sérieuse, elle est scolaire, elle est volontaire, elle est généreuse, on peut compter sur elle. Voilà, c'est une grande jument, c'est une très grande jument, et elle va nous le montrer, je l'espère, par la suite de sa carrière. Pour le moment, la suite, tu ne la sais pas encore. Ensuite, on va essayer de lui trouver un objectif de fin de saison. C'est vrai que si elle pouvait remettre un peu sur son CV un deuxième format long, ça mettrait davantage de chances dans ses bagages pour l'an prochain. Voilà, les concours sont encore en train de se dessiner dans le calendrier FEI, donc j'attends petit à petit, mais je pense que voilà, octobre-novembre, il y a aussi l'idée, voilà, on a les Jeux Mondiaux à Pratoni dans 2 ans, on peut peut-être l'amener visiter ce site-là, qui est vraiment très intéressant, avec un super sol, un terrain très vallonné. Voilà, il y a des petits bruits de couloir d'un format long qui se ferait en France, ça pourrait se faire, ça serait chouette aussi de ne pas avoir à traverser l'Europe. Mais voilà, je pense que voilà, on va trouver un objectif qui va ressembler à ça. Et pour faire ça, je pense qu'elle recourra une fois pendant l'été. Bah oui, ça me paraît évident. Après, on va voir comment aller là. Mais bon, j'aime pas trop courir à 4 semaines, j'aime bien les courir à 6 semaines. Je trouve ça mieux. Mais aujourd'hui, cette année, elle est particulière. Je pense qu'il faut aussi faire avec ce qu'on a. Et voilà. J'ai un petit peu peut-être l'objectif du Grand National, même si c'est pas une priorité. C'est vrai que maintenant, bon, avec ces deux performances-là, on se retrouve, je pense, on doit être en tête là, non? Ouais. Donc, ouais, il faudrait qu'Astier sorte un peu son doigt pour qu'il s'y mette aussi. Dans cet esprit d'équipe là. Mais non, il pourrait faire ça. Et c'est vrai que, ouais, avec Zanzibar qui commence à se montrer sérieux sur ce niveau-là aussi. J'ai la chance d'avoir Athos, voilà, il n'est pas venu aujourd'hui parce que j'avais un petit bobo qui tombait mal, mais il va sortir fin de l'été. Barry Louveau aussi, Cadet de Béliard qui, voilà, je veux qu'il refasse un 3 long, fera ça au pain, mais qui techniquement il est prêt à passer en 4 étoiles. Donc je commence vraiment à avoir la chance d'avoir voilà, ben, ça a été un peu mon but depuis plusieurs années, mais ça commence vraiment à prendre forme. Et avec les jeunes qui arrivent derrière, je suis vraiment
content, quoi. On va essayer d'optimiser tout ça. Et ben, on croise les doigts. Merci bien. Toi.